Je suis ravie d'être aujourd'hui présente au Forum Météo et Climat. La météo et le climat, ce sont des sujets absolument majeurs pour Enedis, puisque vous voyez souvent nos voitures bleues quand il y a des incidents climatiques, puisque parfois il peut y avoir ces incidents, des impacts sur les ouvrages, et donc amener nos équipes à intervenir sur le terrain. Donc on travaille main dans la main avec Météo France en particulier et avec des instituts de recherche pour développer des outils qui nous permettent d'anticiper les incidents climatiques de façon à pouvoir à l'avance déterminer où nos équipes vont devoir intervenir et être en capacité de rétablir l'électricité le plus rapidement possible, sachant qu'on a pris un engagement qui est de rétablir sous 48 heures 90% des clients français. Et puis le climat, évidemment, c'est très important pour Enedis. On apporte de l'électricité qui est de plus en plus décarbonée, qui est déjà la plus décarbonée en France. Donc on a un rôle clé dans cette transition écologique, puisque nous alimentons où nous raccordons tous les producteurs d'énergie renouvelable en France. Donc la plupart, en gros 90% des producteurs sont directement raccordés au réseau de distribution d'électricité. Ce sont aujourd'hui plus de 540 000 producteurs d'électricité, donc partout sur l'ensemble du territoire français, auxquels nous permettons d'accéder au réseau de distribution et ensuite donc de distribuer cette électricité aux Français. Nous sommes également très engagés dans la substitution des énergies fossiles et en particulier avec le développement des mobilités propres et de la mobilité électrique avec le raccordement des bornes de recharge, puisque pour rouler en électrique, eh bien évidemment, il faut pouvoir se recharger. Et pour ça, le réseau de distribution d'électricité est absolument clé. Donc tout ça, ça va contribuer évidemment à réduire l'empreinte carbone de la France. Et pour nous, Enedis, c'est un enjeu majeur, donc y compris dans nos gestes au quotidien. On s'est engagé à aller vers la neutralité carbone en 2050, mais aussi à réduire de 20% nos émissions de carbone à horizon 2025, donc sur la période 2020-2025. C'est un vrai challenge parce qu'on fait de plus en plus de travaux pour amener plus d'électricité. Donc ces travaux, souvent, ils se font quand même avec des émissions de carbone. Donc on a un enjeu très fort et puis on a un enjeu autour des... Et j'en profite qu'on est ici à la ville de Paris pour parler des Jeux Olympiques et Paralympiques dont nous sommes partenaires. Et nous travaillons à transformer le secteur de l'événementiel pour faire que les grands événements sportifs soient désormais raccordés au réseau de distribution d'électricité pour envoyer de l'électricité dans ces grands événements. Aujourd'hui, ils fonctionnent essentiellement sur groupe électrogène, donc à base de diesel. Et donc, on va s'assurer avec Paris 2024 que ces jeux seront des jeux beaucoup plus bas carbone grâce à l'alimentation directe par le réseau électrique. Et puis, en backup, nous aurons des groupes électrogènes zéro émission, donc eux totalement décarbonés. Alors, beaucoup d'échanges ce matin à l'Hôtel de Ville autour de ces enjeux de climat, de météo, évidemment autour de l'agriculture qui est un domaine majeur pour réduire les émissions de carbone et qui est aussi très impacté par ce changement climatique et les sécheresses, les tempêtes, tout ça évidemment a un impact très fort. Et puis il y aura encore beaucoup d'échanges cet après-midi, en particulier autour de l'énergie, et on voit à quel point on a besoin de modifier nos comportements, d'être plus sobre en énergie, de consommer moins. Et le compteur communicant Linky que nous avons déployé dans 34 millions de foyers doit contribuer à réduire nos consommations à chacun. Et puis évidemment de substituer des énergies décarbonées aux énergies fossiles. Je pense que c'est l'enjeu auquel on est tous attachés et qui va probablement être le game changer.